N'empêche, Rex Hamilton, MVP. Non, il pouvait le rater, il avait que 68%. Hein. Mais j'avoue, s'il le ratait, c'était quand même chaud. Vous m'impressionnez, commandant. Les extraterrestres doivent encore chercher à comprendre. Bon, lui, il a pris cher, mais c'est pas très grave. Rembourrage, qu'est-ce que c'est? Votre équipement inclut un rembourrage supplémentaire et des plaques de protection. Faire un point d'armure supplémentaire. Ouais. Un truc un peu plus tanky, j'aime bien. Alors, protocole médical. Peut soigner à distance, ça c'est sympa. Ou électrocuter un ennemi pour lui infliger des dégâts à coup sûr. On va jouer médical. Mais oui, t'es offensif, bien sûr que t'es offensif. Allez, alors, Salmon. Protocole de soutien. Encore un soutien. Très bien. Très bien. Attends, on a récupéré un cadavre de lancier, un cadavre sectoïde, un cadavre de soldat et un cadavre d'officier. Rembourrage, le gars gagne plus d'un poignet d'amour. C'est un travail remarquable que vous un travail remarquable, mais de rien. De la résistance, commandant. Pas de soucis, les mecs. Du coup, je peux peut-être construire ma... Mon terrain d'essai, voilà, il me fallait ça. Tout de suite lancer la construction, commandant. Je vous préviens dès que tout est opérationnel. Hop, Tariq James, va construire les trucs. Nice. On avance. Oh, Rex, on dirait Kylo Ren. J'avoue. Il y a un côté, ouais, il y a un côté Adam Driver, un peu. Il y a de ça. Alors, Cinemax. Mon petit Cinemax. Tu vas remplacer Joséphine Dubois. Non, Joséphine Dubois, c'est trop bien. Stacy Ward. Hop. Personnalisé. Alors, prénom. Prénom. Papy. Alors, attends. Prénom. Papy. Nom de famille. Galette. Évidemment, Papy Galette. Biographie. En vrai... C'est pas Pigalette. Bam, comme ça on comprend la blague. Je terminerai ce que vous avez commencé, DL. Nationalité. Une nationalité de pirate. Ils sont quoi les pirates? Ils sont Caraïbes. C'est pas un pays les Caraïbes. Attends, il y a quoi? Il y a tac 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 tac. Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Brésil. Y a pas trop de trucs un peu pirates. Bon, pire, c'est pas grave, on met français, hein. Hop, française, voilà. Homme, tu es un homme. Papy Galette. Ah, meilleur joueur. J'avoue, en vrai, c'est Papy Galette. Ah, attends. Oh putain. Meilleur joueur. Et réfléchis à au nom de ton arme que tu veux. Hop. Alors cheveux. Ouais, genre tout simple comme ça. Alors juste par contre, t'es pas black, je crois. Il semble pas que tu sois black. Hop, zéro couleur de peau. Voilà, ça c'est mon Cinemax. Il n'y a pas la Somalie. Non, il n'y avait pas la Somalie, ouais. Boum, tes beaux yeux bleus. Sud-Soudan. Qu'est-ce qui ressemble le plus? Ouais. Pilosité, rien. Il y a des limites de caractère pour le nom des armes, mon cher Cinemax. Donc tu vas calmer tes... Hein? Tu vas te calmer tout de suite.
quelle couleur on n'a pas encore mis? Oh, un truc tout blanc. Ou jaune. Non, tout blanc, j'aime bien, ça fait sobre et classe, tu vois. Blanc et noir. Bam, putain, c'est trop badass comme ça. Alors, la voix. Tac, 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 tac. C'est où? Là. Compris. C'est tout bon. Y'a pas une voix de petit rigolo? Affirmatif. Reçu 5 tirs. Compris. Allez, allez, allez. Bien ah. Su, je bouge. Voilà, ça c'est une bonne voix, ça. Attends, non, je suis sûr que dans les accessoires, doit y avoir... Genre un truc un peu de pirate. Genre là, le bonnet, déjà, ça fait un peu pirate. Ou à moins que tu veuilles un casque de pilote de l'Alliance. Accessoire haut du visage. Aviateur, lunettes de sport. Ça fait moyen pirate. Putain, y'a pas de cache-œil. C'est trop dommage. Bandana biker. Bam. Tu veux un chapeau de cow-boy? Ah bah y'a un chapeau, je crois. Y'a un chapeau. Ouais, bon. C'est vite fait cow-boy, mais voilà, quoi. Putain, on dirait quand ils font dans Retour de la Future 3 le braquage. Ah, peinture visage. Ouais, là, avec tout ça, on va rien voir, mais... Aride, yeux noirs, tireur d'élite, tête de mort, voilà. C'est pas ton genre, ça. C'est pas ton genre, c'est pas ton genre. Motif d'arme. Bon, alors là, du coup, on voit rien, on voit pas. C'est dommage. Extraterrestre, toundra, ex. Bien sûr que c'est tout toi. Bonheur. Ah, ça, c'est tout ça. Ça, c'est tout toi, ça. Couleur de l'arme. Jaune. Bam. Amélioration d'arme. Nom de l'arme. Meilleur gun. Ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Confirmé. Bam. Avec ton meilleur gun. Il n'y a pas d'amélioration pour l'instant disponible, mais voilà. La trouelle, ça c'est l'arme de Dan, la trouelle. Hop. Et voilà. En DLC le cache-œil, ouais, c'est dommage. Et voilà, boum, on a Papy Galette. On est bien là, on est bien, on est bien. Alors, construire le terrain, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Construire le terrain d'essai, c'est en cours, ravitaillement disponible, ok. Un marché noir en pleine nature... Voir ce qu'il peut nous offrir, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. J'ai mal vieilli John Marston. Ah, oh, vous êtes les pires, putain. Je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi, commandant. Relais radio disponible. Ok. Autopsie de secte. Hop, instantané. L'évolution physique très rapide, bouclier mental. Au cours des 20 dernières années, montre à quel point les extraterrestres maîtrisent l'ingénierie génétique et sont prêts à prendre tous les nice. Risques pour progresser. Du coup, tu peux. Pionique, il faut des cristaux d'hélarium. Arme magnétique, on va rechercher nous ça. Nous mettons immédiatement au travail, commandant. Je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet. Alors attends, parce que là j'ai pas compris depuis le début en fait, je déverrouille je des trucs. Je ne voulais pas l'admettre devant Shen, mais il y a une chose mais je crois qui que je peux pas plus que mon matériel de labo. M'en servir. Les hamburgers bien juteux d'Advent. Attends. Je ne sais pas où ils trouvent la viande, et je ne veux surtout pas le savoir. Je n'attends que votre ordre pour commencer, commandant. Marie. Eh, pourquoi Dan? Attends. Équipement. Ah mais ouais, il est passé au fusil à pompe. Tu sais que maintenant il a un fusil à pompe. Mais non, prends la trouelle. C'est la trouelle, c'est ta trouelle à toi. Bon, tu fais un peu la gueule, hein. Bon, après t'es blessé légèrement, donc ça va. Hop, du coup on va retourner là-bas. Commandant, d'après les recherches menées avec Shen, je pense que nous pouvons baisser le coût en renseignement pour contacter d'autres régions
en installant des relais radio sur notre réseau. Plus une région est loin d'un relais, plus elle coûte cher en renseignement. Mm-hmm. Je suggère donc d'installer des relais en périphérie de notre réseau actuel. Je pense que la résistance appréciera la construction de ces relais et qu'elle saura nous remercier. Ok. Je sais pas où c'est que je l'ai construit, mais... Ah ouais, genre là. Dessous de table. Ouais, d'accord. On va aller au marché noir. Hop. Le marché est ouvert. Alors, on va vendre des trucs. Non. Flemme de vendre des trucs. On peut acheter des trucs ? Ouais. Ouais, bon, en fait... En fait, c'est chiant. Je vais installer ça. Installer relais. J'ai pas envie de passer du temps dans les menus. Enfin, à lire des trucs, c'est relou pour vous. C'est pas des plus intéressants. Construire relais radio. Il y a l'Europe de l'Est à contacter. Ah, Danito El Loco a récupéré de ses blessures. Que la résistance a attaqué une voie de ravitaillement d'Advent. Nous pouvons récupérer des matériaux précieux à condition d'éliminer les extraterrestres qui gardent le site. Ça me va. Le cap sur l'Asie de l'Est. Ça me va. Let's go fight. On va se foutre sur la gueule. Alors, qui c'est qu'on va prendre ? Bon, on va dégager lui. Enfin, elle, là. Ok, Audrey Moreau, ouais, non. On va dégager Audrey Moreau. On va mettre notre ami Papy Galette. On va dégager... Ah, ça fait chier de dégager un grenadier. Attends, je vais sortir... Hop, et je vais mettre, du coup, Danito El Loco, le ranger. Là, on a Papy Galette, Caporal Rex. Un grenadier. On n'a pas de tireur d'élite. Au pire, tant pis, je tège elle et je mets un tireur d'élite à la place. J'ai aucun tireur d'élite en fait. J'ai que Sirtank en tireur d'élite. C'est pas ouf. Sinon, j'ai Hideo Kojima aussi. Non, mais je vais continuer avec, avec Guile. Hop. Là, une bonne équipe. Talent badass Cinemax. Papy Galette. Mercure déployée. Unité menace prête au déploiement. Commencez la mission.